pris des pètes, je veux me faire la guerre. Mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le temps. Mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux, mon cœur te mettra à genoux. Je relève les doigts et tu... Et voilà. Ça... Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo donc d'achat. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai fait 4 petits achats, voilà, ils sont là. J'ai fait quelques petits achats tout à l'heure quand j'étais à ma pause. Enfin, je les avais commandés, j'ai été les chercher à ma pause quoi. Donc voilà. Donc bah, j'espère que déjà vous ça va. Ça va, comment je parle bizarrement. Hein, toi t'es con, voilà, je te le dis. Donc voilà, et puis voilà, comme d'hab, bon, ça va toujours pareil. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, voilà, que le taf c'était pas trop dur, les courses c'était pas trop dur, voilà. Et puis voilà, donc les vidéos j'ai vu, alors grosse dédicace à mon pote Tanguy, voilà, qui a fait une grosse vidéo, bien marrante avec son l'effet visuel, là, l'effet, enfin pas l'effet miroir, mais l'effet avec les lui-même deux fois, ça fait, moi ça m'a fait bien rigoler. Donc voilà, et puis bah après les deux autres achats, donc Tekken, super, ouais, j'irai voir le 3 moi. Ensuite, Bienvenue à Zombieland, moi j'ai pas vu, voilà. Et puis bah les Rocky, voilà, des super films, voilà, moi j'adore Rocky. Je préfère la. Bon, c'est pas pareil, mais moi je préfère les Rocky au Rambo. Ouais, c'est mon. Pourquoi je viens de taper comme ça? Attention à Tony Montana. C'est que mon avis à moi, voilà, mais bon, je préfère les Rocky. Après, si je ferais un classement de Rocky, sur j'en parlerai bientôt, je mettrais le 3. Ensuite, je mettrais le 3. Ensuite, qu'est-ce que je mettrais le 2. Le 1, le 5, le 6 et le 4, voilà. Donc voilà, et donc voilà, des gros films. Après le truc Blu-ray, il n'est pas vraiment, je l'ai trouvé pas plus, enfin le mien, comme j'ai regardé, où il est, si j'arrive à vous montrer sans tout enlever, parce que je sais plus où je l'ai foutu en fait. Même un endroit encore possible aussi. Non, c'est moi, je sais plus où je l'ai mis. Il est là, quoi. Voilà, il est là. Juste pour vous montrer que, hop. Voilà, moi j'avais pris, donc j'avais acheté très longtemps. C'est l'édition Ultimate, voilà. Ici, donc vous voyez, c'est déjà ça, c'est en relief. Donc ici, donc la présentation de tout, plus les bonus, voilà, donc pareil que dans le vrai. Ensuite, donc là, on a une photo de Rocky, là, donc Rocky contre Mr. T. Ensuite, là, donc, on a encore des photos, donc Rocky, voilà, Rocky et Adrienne, quoi. Ensuite, là, alors, c'est pas tout noir, nous, en fait, c'est par rapport, voilà, c'est des photos, vous voyez, vous enlevez, là, le disque, ça complète une photo, et quand vous enlevez le disque, vous avez la photo, quoi. Donc voilà, c'est pareil pour tout. Et moi, je trouve que c'est plus sympa que le truc tout noir qu'ils ont mis pour l'édition Blu-ray. Donc c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas acheté en Blu-ray. Ça fait longtemps que j'aurais pu me le prendre en Blu-ray. Mais bon, j'ai préféré me garder l'édition DVD pour l'instant, qui est pas mal après. Après, bon, il l'a pris en Blu-ray, lui. Voilà, c'est un beau cadeau de Péric. Bon, ouais, super vidéo de lui. Ensuite, j'ai vu la vidéo 2. Alors j'ai vu la vidéo de qui? J'ai vu la vidéo de Alex, voilà, donc grosse dédicace à lui. Une vidéo, voilà, très intéressante, voilà, tu devrais en continuer comme tu disais à faire des vidéos info. Moi je savais pas, mon Sin City, pour ceux que j'ai essayé, mon Sin City il marche. Voilà, ensuite mon Sin City, voilà, il marche. J'ai pas eu de problème, voilà, je l'ai essayé l'autre fois. Après, il faudra que je voyais pour Gang of New York, t'avais marqué Casino. Casino, il marche, parce que j'avais vu l'autre fois en Blu-ray. Lucie aussi, parce que comme j'avais acheté l'autre fois, Lucie, dépêche-toi en vie, ne meurs qu'une fois, bref. Et ensuite, qu'est-ce qu'il avait marqué d'autre? Je sais plus ce qu'il avait marqué. Pulp Fiction, faudra que je vois aussi. Jackie Brown aussi, mais... on verra, bon après j'espère que ça marchera quoi. Bon, je pense que Blood Fiction ça marche et Jackie Brown aussi, parce qu'il y a plein de gens. Ouais. Ouais, ouais, vas-y. Bah tu veux quoi en fait? Bah je vais te la donner. Attendez 2 minutes.
Désolé, comme le tour, vous voulez la serviette comme je fais avant que. Donc, bref, qu'est-ce que je dis. Oui, donc je dis que j'essaierai, mais je pense que quand même les trucs de Tarantino et tout, il n'y a pas eu de problème ni rien, donc c'est dire que ça marche. Donc, de toute façon, je verrai, je te dirai, mais voilà, c'est assez sympa. Donc, voilà, je refais comme dit, donc vérifier les Blu-ray qui est dans sa liste, voilà. Si ça marche, mais bon, j'espère qu'il n'y a aucun problème, hein. Croisons les doigts pour moi. Donc, voilà, et puis terminer donc, sur la grosse, grosse vidéo de Mo Burton, voilà. Une super vidéo, moi j'adore, voilà, franchement, deux coffrets vraiment super, voilà, Walking Dead, il est très beau. Après Walking Dead, j'ai pas commencé, mais bon, ça va, pour l'instant, ça me pousse pas trop vers ça à regarder, donc on verra vraiment plus tard, voilà, vraiment plus tard. Après les comics, moi j'aimerais bien que tu les présentes, voilà, moi aussi j'en ai quelques-uns, peut-être que je vous en présenterai, bon, moi c'est des comics, c'est Superman, Spider-Man, j'ai les Simpsons et Futurama. Après j'en ai d'autres, après je vous montrerai dans une vidéo occasionnellement, mais moi je veux bien que tu les présentes, ça fera sympa. Et puis bah, le coffret Friends, il est juste voilà, magnifique, voilà, avec tous les Blu-ray, voilà. Très 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 beau, en plus pour le prix 40€, au lieu de, je crois qu'il était monté à 80€, bon, je crois, c'est ça le prix 80, donc voilà, c'est super, un super prix, voilà. Moi je vous conseille de la prendre, il y a encore je crois sur Amazon, ouais, elle est encore en stock, donc voilà, n'hésitez pas, c'est super super prix pour une super série. Voilà, Friends, tout le monde connaît, donc voilà, super vidéo, et bah, hâte de voir tes Blu-ray de ce que t'as pris, même si je sais un peu, voilà, je ne dis rien, ferme ta bouche, Julien, voilà, mais bon, voilà, une super vidéo, et puis voilà, continue comme ça, et moi j'adore, voilà, donc gros pouce bleu, fais tes pouces toi aussi, voilà, mon lui c'est un pouce vert, voilà. On dirait il vole, et il s'écrase, mais vas-y, lève-toi, voilà, gros pouce bleu, et super, continue, moi j'adore. Ensuite une grosse dédicace donc à mon pote Alex encore, à Tanguy, à Mo Burton, voilà, à Anso, voilà, à Sullivan, voilà, à Daniel, à Charline, voilà, ensuite à Gaëtan, voilà, à qui d'autre, voilà, Anso, voilà, et puis à tous les autres, voilà, tous ceux que j'ai oublié, gros dédicace à vous, à Monica, voilà, j'allais oublier, à Monica, voilà. Et voilà, grosse dédicace à tous mes abonnés, à tous ceux qui regardent mes vidéos, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et oui, présenter les films, j'avais déjà oublié, moi, c'est fini. Alors hop, j'ouvre, hein, parce que j'aime pas ouvrir. Alors, il y a des films que j'ai achetés, que je n'ai pas vus. Alors, on va commencer par un western. Voilà. Donc, j'ai pris Impitoyable, ouais, voilà, il me le fallait celui-là. Et donc, quand je l'ai pris direct, donc Impitoyable, 5,90€. Voilà, un super western, donc qui a eu 4 Oscars, donc meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur acteur dans un second rôle. Donc c'est un film donc, de Clint Eastwood, donc avec Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris. Donc voilà, super super casting. Donc hop, on l'ouvre, donc là c'est pour pareil, donc après là c'est des films que j'ai, donc Harry Potter, moi je les ai pas en Blu-ray. Gary Patrick non plus, 300 je l'ai, The Dark Knight je l'ai en Steelbook, Sherlock Holmes je l'ai, Une Vie de Plus je l'ai, Esther j'ai pas, et ça c'est Max Element. Et donc ça c'est tout ce qu'ils mettent, important, Blu-ray était conçu sur les critères, hein, on s'en fout. Je vous fous ce que tu racontes. Donc voilà, il est vraiment tout neuf, donc voilà, ça c'est un classique vraiment pitoyable, un classique du western, ceux qui aiment. Donc je vais vous dire, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc c'est ce film figure parmi les meilleurs films américains du top 100 de l'American Film Institute et remporta en 92 4 Oscars dans la catégorie du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un second rôle, Gene Hackman, et meilleur montage, Joel Cox. L'acteur-réalisateur Clint Eastwood s'initie un chef-d'œuvre de western. Avec Morgan Freeman, il incarne d'anciens hors-la-loi décidés à reprendre une dernière fois les armes pour remporter une prime. Cependant, ils devront faire face au personnage de Richard Harris, un chasseur de primes infortuné, et Gene Hackman, un représentant de la loi au charme et à la brutalité glaciale. Impitoyable marque ainsi le grand retour de Clint Eastwood à son genre de prédilection qui fait également sa gloire. Donc voilà, un super film, moi je me rappelle, j'avais adoré. Donc voilà, un gros casting pour voilà, une production, bah, un film fait par Clint Eastwood. Tous les films de Clint Eastwood sont vraiment énormes. Bon, ils sont toutes les fins de ces films sont tristes, mais voilà, ils sont tous énormes ces films, et moi j'adore, voilà. Ça, il me le fallait en Blu-ray, maintenant je l'ai, il ira dans ma collection de Clint Eastwood qui est quand même assez garni. Ouais, il y a pas mal de films, donc voilà, je suis content.
Donc voilà, un super film que je conseille à voir en DVD ou en Blu-ray, voilà, mais moi comme maintenant je me concentre que sur les Blu-ray quasiment. À part pour les. Des fois je regarde en cache si les comédies y a pas en DVD. S'il n'y a pas un truc qui est intéressant, voilà, il n'y avait rien de très subtil, on va dire. Donc voilà, donc impitoyable, super film, un Clint Eastwood à voir pour les fans de western. Donc je pense à Nico, voilà, je sais qu'il adore les westerns, je pense que tu as dû le voir. Mais si tu l'as pas vu, voilà, je te le conseille, impitoyable. Et puis pour les autres, donc pour les fans de western et fans de Clint Eastwood, regardez-le, impitoyable, il est énorme. Voilà, donc impitoyable, donc 5,90. Ensuite, on passe à un film que je n'avais pas vu, mais que ça m'a poussé à le prendre, c'est Killer Elite. Voilà, un Statham. Donc avec Clive Owen et donc Robert De Niro. Je l'ai pris même beaucoup pour Robert De Niro. Et puis, voilà, je l'avais réservé. J'ai regardé la bande-annonce il n'y a pas longtemps. Et puis la bande-annonce est vraiment... voilà, montrer un film énorme. Bah, c'est un film d'action à la Statham, quoi. Il n'y a pas de truc. Alors, c'est de la copie numérique, comme je vous la montre. Voilà, hop, je vous la montre. C'est moi, copie digitale. Ta gueule, voilà. Donc je voulais montrer, voilà, comme ça, moi je vous la donne, moi j'ai l'ouvrage, ça me fait vite. Donc hop, Killer Elite, donc un super film d'action. Voilà, donc un Statham, donc je vais vous lire derrière. Danny, donc ancien agent des forces spéciales, doit reprendre du sérieux pour sauver Hunter, son ancien partenaire. Pour réussir, il va devoir percer les secrets d'une des unités militaires les plus redoutées qui soit, la SSA britannique. Des doubles jeux en trahison, il va découvrir un complot qui menace le monde. Voilà, donc... un super film d'action que j'avais envie de posséder. Et puis quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai lu un peu les critiques et tout, bah c'était un bon film d'action à la Statham, pas très connu, mais ouais, Robert De Niro qui joue dedans, donc c'est mon acteur préféré, j'ai dit allez, je vais le prendre. De toute façon, j'ai vu la bande-annonce, ça me plaisait bien, un bon film d'action à la Statham, ça fait pas de mal. Bon, celui-là il dure 1h56, il dure assez longtemps pour un film d'action satamien. Je sais pas pourquoi je les avais sortis satamien, non. Avec Jason Statham et tout, donc un super film que je vous conseille pour les fans de d'action pure et dure, voilà, de voitures explosées, de course poursuite, voilà, d'armes, voilà, enfin d'armes, de gun, quoi. Donc voilà, un super film, donc un super casting pour super film, Jason Statham, Killer Elite plutôt, parce que Jason Statham, Killer Elite, un super film que je vous conseille aussi, voilà. Donc le film que je vous avais peut-être dit que j'allais le prendre, c'est Solomon Kane. Un super film. C'est les films que j'aime bien voir, moi. Vous savez, c'est les films comme ils sont faits certains. Je sais pas si vous voyez, par exemple, comme Van Helsing. Voilà, les films sur les trucs, les démons et tout. Alors ça, c'est... Alors j'avais lu un peu, je l'ai pas vu. Mais donc pendant l'attaque d'une mystérieuse forteresse quelque part en Afrique du Nord, le redoutable capitaine Solomon Kane voit ses hommes éliminés un par un par des créatures démoniaques. Il finira seul face à l'envoyé du diable venu pour s'emparer de son âme corrompue. Kane parvient à s'échapper, mais il sait qu'il doit maintenant se racheter en renonçant à la violence. Oui, donc c'est ça. Donc c'est, il va réussir à, comme j'ai lu, donc à s'enfuir de l'envoyé du diable. Et donc il va vouloir se faire que la paix, ne plus prendre les armes et tout. Mais il va avoir un événement. Voilà. Après, donc, c'est sa nouvelle spiritualité ne tarde pas à être mise à l'épreuve lorsqu'il revient dans une Angleterre dévastée par des hommes diaboliques à la solde d'un être masqué terrifiant, l'Overlord. Et donc là, il va devoir reprendre les armes. Donc voilà. Et il y a une phrase très intéressante dans le film qui dit, qu'il nous dit, je crois, il dit, c'est un bon annonce, j'ai vu, c'est il dit, j'irai en enfer, mais j'irai pas seul. Ou un truc comme ça, et voilà, c'est des trucs comme ça, moi j'aime bien les phrases comme ça. Donc voilà, c'est un super film que je vous conseille de voir. Ça, c'est pour tous les fans de comment dire, pour tous les fans de films comme Le Seigneur des Anneaux, Van Helsing, Constantine, voilà, tous les trucs comme ça, les trucs de démons avec des trucs, je vous le conseille, moi j'adore les films comme ça, surtout les films où l'acteur principal fait des citations comme ça, comme Constantine, comme Van Helsing. Bah, Van Helsing, j'avais adoré, que faudra que je me rachète en Blu-ray, parce que je l'ai plus, donc faudra que je l'ai marqué, faudra que j'achète en Blu-ray. Donc ça a été fait par le créateur de Conan le Barbare, donc Robert E. Howard, et donc les acteurs, alors je pense qu'il n'y a pas d'acteur connu, il y a Pete Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood, Alice Grieve, Jason Fleming, Mackenzie Crook et Mark von Sydow. Donc voilà, c'est dire 1h44, mais franchement c'est un vrai, véritable film, je sais pas si ça se dit, un véritable film, ouais, j'invente des mots, je m'appelle Larousse moi, appelle-moi Robert, tu veux, Métropolis, donc voilà, édition, diffusion, alors je sais qu'il avait le steelbook, mais je me suis trompé un peu, le steelbook, je crois que c'était Conan, donc soit quand je me suis donné le Blu-ray simple,
Je me suis dit, ah bon, c'était pas le steelbook que t'avais. Il m'a dit, bah non. Il m'a dit, t'as rêvé, arrête de boire. Hein. Il a dit, à Monoprix, toi, quand tu. Il a dit, quand il y a des caillettes de bière, tu te les tapes derrière. J'ai dit, non. Non, pas du tout. Donc voilà, donc c'est un super film avec des créatures, comme je dis, des créatures, des trucs comme ça. Donc voilà, Solomon Kane, donc c'est le film que j'avais réservé en premier. En plus celui-là il coûte cher en Blu-ray, même sur internet en occasion, l'édition comme ça coûte je crois encore 12€, là je l'ai payé 5€, donc voilà j'étais content, donc Solomon Kane, un super film à voir, voilà. Donc je pense encore à Anso, donc je te le conseille, voilà, toi qui aimes bien un truc comme Eragon, un truc comme ça, Pierrick pareil, Tanguy, tout le monde je vous le conseille, c'est un super film, pas très connu mais voilà c'est un super film, donc Solomon Kane. Et donc le dernier que j'ai pris c'est... alors je sais pas si quelqu'un, Alex peut-être tu connais, je sais pas si tu l'avais, c'est Bad Cop. Voilà, Bad Cop, un super film d'action. Donc dans sa ville, il combat le crime selon ses règles. Donc avec Johnny Strong, celui qui jouait dans Fast and Furious, je sais plus lequel. Alors je ne sais pas dans lequel il jouait, mais... voilà, donc celui-là je l'ai pas vu, mais je me suis renseigné un peu quand je l'avais vu et je sais que c'est un super film. Voilà, donc je vais vous lire derrière. Donc c'est dans une nouvelle Orléans ravagée par un ouragan et livrée à l'anarchie, le détective Sean Riley tente de faire face à la mort de son jeune fils. Il fait équipe avec Will Gann pour résoudre une série de meurtres sauvages qui ont fait basculer la ville dans une guerre des gangs. Ils vont vite découvrir qu'ils sont face à quelque chose de bien plus sinistre que pourrait remonter au plus haut sphère de l'État. Bon, un super film d'action, Bad Cop, voilà, que j'ai payé. Celui-là, je l'ai payé 4,90€, c'est marqué. Parce que bon, je l'avais vu et tout, et puis je me suis dit, je laisse. J'avais pris quoi? J'avais pris le encore une autre fois le steelbook de Dark Shadows. Enfin, c'est le steelbook comme elle a Bobo, comme je l'ai appelé, avec le. Il y a la bande originale dedans, je voulais me le prendre et tout. Et puis il m'a dit non, parce qu'en fait ça, j'avais 22 lui il m'a fait ouais, ça ferait 24. J'ai dit bon, je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Et il m'a dit bah, si t'en prends à 4,90, voilà, c'est bon. Tant qu'il sait que j'aime bien les Blu-ray. Donc j'ai regardé tout, j'ai vu celui-là, et comme ça me tentait bien, je me suis dit allez, je me laisse tenter. Je suis en train d'enlever tous les trucs qu'il y a devant, parce qu'il y a plein de. J'allais dire plein de merde, mais non, ça se dit pas. Non, plein de trucs, voilà. Hop, voilà. Donc Bad Cop, voilà, un super film d'action qui m'a l'air bien noir. Donc il y a Tom Berenger, donc celui qui joue dans Inception, Costa Mandylor, donc saut 3D, Johnny Strong, donc la chute du Faucon Noir. Donc Johnny Strong, Fast and Furious, et la chute du Faucon Noir, voilà. Sean Patrick Flannery, donc les anges de Boston 2, George Brochnov, Da Vinci Code, Baz Rudden, superstar de la MMA. Donc casting musclé pour ce thriller d'action ultra spectaculaire qui ne vous laissera pas la minute de répit. Donc voilà, c'est marrant d'être un super film que j'avais envie de me prendre depuis longtemps, là je me suis pris. Donc payé 4,90€, vraiment, voilà, en plus il est encore tout neuf, voilà. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, Bad Cop, super, super content de l'avoir, quoi. Donc voilà, donc je regarderai ça, je vous dirai. Mais Alex, dis-moi, je sais pas si j'avais vu que tu l'avais. Je sais que quelqu'un l'avait pris une fois, mais maintenant je ne sais pas où ça m'a. Quand j'avais lu derrière, c'était quand c'était vendredi. Ça m'intéressait, mais je me suis dit, oh, je prendrai une autre fois s'il y est. Et puis là, il y était encore. Je l'ai même pas vu dans le bac. C'est quand je regardais ce qu'il y avait à 4,90€, je me suis dit, bon, je vais bien trouver un truc intéressant à 4,90€. Et j'ai pris ça, je n'ai même pas si je l'ai pris derrière, je dis, allez. Comme j'avais lu que ça m'intéressait pas mal, j'ai dit que j'allais le prendre. Donc voilà, Bad Cop. Voilà. Donc voilà pour les petits achats aujourd'hui. Donc vraiment deux super achats. Donc impitoyable. Voilà, donc Killer Elite, Solomon Kane et Bad Cop. Voilà. Donc voilà pour ces achats. Je suis content, voilà. Donc je pense que je vais faire une petite commande Amazon ce soir. Je vais prendre un coffret de série TV et peut-être un autre coffret DVD. Ça sera pour mon premier achat de solde, à part dans les caches, que pour les caches, c'est solde toute l'année, quoi. Mais voilà. Donc voilà, je pense que je ferai ça ce soir, donc je recevrai ça...
ouais, vendredi ou samedi. Ouais, vendredi ou samedi, donc vendredi ou samedi, donc grosse vidéo, voilà, que je vous conseille de venir nombreux. Et puis voilà, je vous conseille de venir nombreux pour voir, parce que ça va être vraiment du lourd encore comme d'habitude. Quoi. Donc ouais, hier je n'ai pas regardé 300, alors, j'ai commencé la saison 2 des Sopranos. Ouais, qui commence super bien hein, comme d'habitude quoi. Donc voilà pour parler donc du prochain. Donc demain bah coup de cœur. Oui, demain coup de cœur. Demain coup de cœur. Jeudi aussi donc coup de cœur, voilà. Et puis donc vendredi ou samedi, donc il y aura la grosse vidéo. Donc si samedi ça arrive. Sinon si je vois qu'en fait c'est samedi que ça arrive, je ferai vendredi la critique du parrain 2. Et si donc ça vient vendredi, donc ça sera samedi ou dimanche. Mais comme ça, il y aura quand même les deux critiques que j'avais dit que j'allais faire. Voilà, donc j'espère que celle du parent vous avez plu encore. Voilà, donc voilà, donc pour les filles, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu. Donc Bad Cop, voilà, donc dites-moi si vous l'avez vu, si vous avez aimé. Solomon Kane, voilà, que je conseille, voilà, regardez-le, il est super. Voilà, Killer Elite. Et donc Impitoyable, voilà, le western énorme fait par. Donc voilà, qui a fait la gloire Clint Eastwood, bah, on pense à la trilogie du dollar, voilà, juste la trilogie du dollar, voilà, une légende, voilà. Donc Clint Eastwood, super, voilà, pour aujourd'hui. Donc voilà, super content. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des films, voilà. Et puis nous, on se retrouvera demain donc pour un coup de cœur, voilà, je ne sais pas quoi encore. Mais je vous montrerai ça. Voilà. Oui, j'arrive. Donc. Pourquoi tu prends Carmite là? Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, donc, passez une bonne soirée, voilà. Vivez votre vie à fond, comme je dis. Toujours. Vivez votre vie à fond, voilà. Et puis, voilà, amusez-vous. Faites-vous plaisir, voilà. Faites-vous plaisir. Enfin. Faut faire les soldes. Les soldes, ils sont intéressants, ça dépend de quoi. Là, sur Amazon, des fois, au début, il n'y avait pas grand-chose. Là, finalement, ça s'est un peu débloqué, quoi. Donc, voilà, donc faites-vous plaisir. Voilà, vivez votre vie à fond. Vous prenez pas la tête comme certains se prennent la tête. Ça sert à rien. Voilà, vivez votre vie à fond. Dites oui à la vie, comme dit dans la pub. Voilà. Toi, de toute façon, toi, t'as la bouche ouverte tout le temps. Donc, voilà, donc faites-vous plaisir. Et moi, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne journée si c'est pas encore regardé ma vidéo, un gros merci d'avoir regardé ma vidéo, un bon visionnage, voilà, et puis encore grosse dédicace à tout le monde, hein. Voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, voilà, je vous aime tous, voilà, j'ai envie de le dire, la minute amour, je vous aime tous, voilà, je vous aime tous. Et puis, bah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez, salut et portez-vous bien.